La Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus a organisé une journée de dépistage sur le cancer du col de l'utérus à Jiguinchor. Cette activité vise à l'élimination du cancer du col utérin dans le pays. Nous sommes là dans le cadre de notre troisième édition de la caravane de l'élimination du cancer du col de l'utérus. Donc c'est une caravane qui s'est déroulée sur 21 jours, donc qui intéresse toutes les 14 régions du Sénégal, donc dont l'objectif c'est d'aller dans les régions donc, pour le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Donc nous sommes ici à Jiguinchor, donc plus précisément au poste de santé de Nema, donc pour dérouler cette activité. Ce gynécologue est revenu sur l'importance de se faire dépister. Merci. Comme vous savez, le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui est évitable. Donc comment? Par la vaccination, le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses. L'Organisation mondiale de la santé recommande donc pour l'élimination du cancer du col de l'utérus la vaccination 90, 70 et 90, c'est-à-dire vacciner 90% des filles de 9 à 14 ans, dépister 70% des femmes en âge de dépistage, c'est-à-dire de 25 à 65 ans, et aussi de traiter 90% des lésions précancéreuses dépistées. Donc si on atteint ces objectifs, on peut espérer une élimination du cancer du col de l'utérus. Après le dépistage, il y aura un suivi de traitement pour les personnes atteintes du cancer. Donc c'est ça, c'est surtout pour le suivi. Notre caravane, donc on l'a mis après l'octobre rose, c'est pour le suivi des femmes dépistées. Donc on sait que chaque mois d'octobre rose, il y a un dépistage qui se fait. Donc nous venons après pour voir ces femmes-là à qui on a dit qu'il y avait des lésions au niveau du col et qu'il n'y avait pas bénéficié d'un traitement ou si un traitement était fait. Donc on vient pour le suivre. À rappeler que c'est la troisième édition de la caravane de l'élimination du cancer du col utérin et les dépistages se feront du 6 au 7 décembre au centre de santé de Jiguinchor et dans le poste de santé de Nema.